Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de ce 100 bébés challenge. Alors on a pas mal de choses à faire aujourd'hui dans cet épisode, notamment remettre à jour ce groupe du club des futurs papas. On va aussi fêter quelques anniversaires il me semble. On a Jessica, c'est dans 5 jours, donc peut-être pas. Oula, dynamique familiale facétieuse, Jessica et Noah comme étant facétieux. Oui, pourquoi pas. Jérémy dans 6 jours, Neri elle vient seulement de grandir. Voilà, c'est ça, on a les jumeaux dans 2 jours. On a un bébé sur les bras aussi. Bébé qui, je pense, va grandir dans cet épisode en tant que nourrisson. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, alors moi je le vois pas, mais en post-prod, vous le voyez. Ici, j'ai mis une petite barre de progression pour montrer la combienième génération de matriarches on est, combien de généreux donateurs nous avons eu, au combienième bébé de ce centre bébé challenge nous sommes. Donc on est à 11 bébés. Il faudrait aussi que l'on fasse la chambre de Neri, puisqu'il y avait 2 chambres ados et 3 chambres pour bambins. Mais Neri n'étant plus un bambin, il va falloir qu'on fasse sa chambre pour qu'elle aille dormir. Et puis, bien évidemment, il va falloir s'occuper de l'argent, puisque nous avons 5443 simflouz. Pour une famille de 7, on ne va pas aller très loin, avec des factures, je crois, qui avoisinent les presque 2000 simflouz. Attendez, afficher les informations. J'ai été un petit peu marseillaise. 1145 simflouz quand même à payer. Donc il serait bien qu'on s'occupe un peu de l'argent. On va, je pense, donner des métiers. Alors je crois que pour tester, j'avais déjà donné un métier à Jessica pour voir. Oui, c'est ça. Spécialiste du speedrun, puisque madame s'est prise d'affection pour jouer aux jeux vidéo. Donc écoutez, allons-y. Par exemple, il faudrait qu'elle atteigne le niveau 4 de la compétence entrepreneuriat. Hein, compétence entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Lancez-vous dans des carrières à temps partiel, des petits boulots et des carrières en indépendant. Oui, mais comment on fait? D'accord. Et atteindre le niveau 4 de la compétence jeu vidéo, ça me paraît pas mal. Alors notre frère est en train d'y jouer, mais on va le virer et on va jouer. Je ne sais pas ce que c'est. On va jouer à ça. Et Jérémy, on va lui dire d'arrêter de jouer. Et on va voir pour qu'il ait lui aussi un petit boulot, histoire de ramener un peu d'argent, trouver un emploi. Jérémy, il est plutôt introverti. Je le verrais bien en scout. Par contre, c'est que samedi, dimanche. Ah, c'est non rémunéré. Alors non, on va pas le voir en scout, en fait. Ça pourrait être maître nageur. 40, oula, ah oui, c'est vrai. Alors attendez, 40, 41, 40, 18, 55, ouais. 40, 59, ah, ouvrier. Et c'est que 2 jours. Allez, maître nageur. Surveillant de vagues, ça me paraît pas mal. On va être surveillant de vagues pour Jérémy, sachant qu'il lui reste de toute façon seulement 6 jours, donc on va pas gagner des masses, mais ce sera déjà ça de prix. Neri, que fait-elle? Mais quoi? Jouer dans le placard, d'accord. Sachant qu'elle a une dent qui bouge. Ok. Est-ce qu'on la tripote sa dent ou est-ce qu'on l'arrache? Jamais fait arracher la dent. On va lui arracher sa dent pour voir. Qu'est-ce que ça fait quand on arrache une dent? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Ça fait juste ça, c'est bon? Dent enlevée en tirant dessus. Ok. Elle en a plus que pour 3 heures. Donc, on a abrégé sa souffrance. C'est pas mal. Bah, d'ailleurs, elle mérite. On va aller lui faire sa chambre. Alors, laquelle des pièces je vais choisir? Celle-ci, c'est la plus grande des 3. On va garder ces 2-là pour les bambins. Et on va transformer celle-ci pour Neri. Bon, allez, on laisse, c'est déjà pas mal. On va pas dilapider toute la fortune de cette famille. On va essayer de gagner un petit peu plus d'argent avant. Ok, ce serait chouette à terme aussi de s'occuper de ce petit coin et d'en faire un bureau. Alors soit on en fait un bureau commun pour tout le monde ici et on est assez fou pour se dire qu'on va gagner suffisamment d'argent pour plutôt faire un vrai coin bureau d'écrivain juste ici. Je verrais bien de supprimer cette porte, d'y mettre plutôt une fenêtre. Et de créer un renfoncement ici pour pouvoir y enfoncer le bureau et la fenêtre. Et une belle baie vitrée avec des rideaux pour avoir une vue sur le jardin. Je sais pas, on verra. Alors par contre, tu vas arrêter de déranger maman qui écrit pour avoir de l'argent. Je pense que tu peux aller t'amuser avec les jouets de tes frères. Ça me paraît pas mal. Pendant que Eva est en train d'écrire, on va s'occuper de remettre à jour ce groupe. Alors, on va l'appeler les généreux donateurs. Ça me paraît pas mal. C'est toujours ouvert à tous. Gavin, on va l'enlever puisque c'est bon, il nous a donné une enfant. Au niveau des activités du groupe, enlacer,
être amical, embrasser, faire crac-crac, être romantique. Alors attendez, comme il y a plein de nouvelles interactions, on va les regarder. Choisir une interaction. Alors, être romantique d'abord, embrasser, social, faire crac-crac. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher plus ou moins, ou favoriser tout du moins? Faire des activités de spa, ça peut être bien. Danser. Danser, ça peut être pas mal. Allez, on va prendre danser. Et vous savez quoi? On va enlever tout le monde. On va refaire. Situation familiale, seulement les non-mariés. Voilà. Exigence, personne âgée, jeune adulte, adulte et pas marié. Comme ça, on casse plus de couple. On n'est fait plus... voilà. Plus comme Gavin, qui a trempé son biscuit absolument partout et qui a 10 milliards d'enfants. Nous, on n'est pas comme ça quand même. On va faire les choses proprement. Alors attendez, là on a atteint le nombre maximal. Ok, on a 244 points de groupe. Ce qu'on peut faire, c'est se dire que c'est un groupe populaire. Comme ça, il y a d'autres Sims qui voudront rentrer dans le groupe. Il y a un bonus de romantisme qui ferait qu'on... Ce serait bien qu'on l'atteigne pour pouvoir le prendre. Qu'est-ce que j'avais vu aussi qui aurait pu être intéressant? Les ambiances de groupe. Il y a ambiance de groupe drague. Ce serait bien... Ah, il nous en reste 100. Eh ben alors attendez, on va prendre ça. Ce serait bien qu'on arrive à atteindre jusqu'à 300. Et après, on pourrait peut-être se faire plaisir en portant un blouson en cuir ou ce genre de choses. Allez, hop. Oh, c'est intéressant, c'est la journée des réductions sur les achats. Ah, alors attendez, est-ce qu'elle a... Ouais, elle avait terminé son livre. Donc si on l'envoie pour approbation, est-ce qu'on empoche? Ouais, on empoche. Si je vends ceci... Hop. Et comme ça, on garde l'esprit de la porte-fenêtre qu'il y avait, mais juste on l'a aménagé. Et avec les réductions, on est plutôt pas mal, on n'a pas trop perdu d'argent, c'est pas mal. Est-ce qu'on mettrait même une paire de rideaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas trop cher? On va mettre ça, histoire que ce soit un coin un peu plus inspirant pour continuer d'écrire. What? Mais j'ai pas eu de notification? Ok, alors, hop, aléatoire, et on a quoi? Oh, calme, trop bien. Si elle est calme, ce sera trop bien. Oh, mais elle est trop mimi. Oh, j'ai cru que c'était un petit peu buggé. Elle est trop mimi. Étape sourire débloquée. Mon. Eh ben, on va aller te prendre dans les bras et t'installer ici, poser à la ici. Les enfants sont rentrés de l'école. Et nous, nous, on va commencer... Une réunion de groupe, ça devrait pouvoir le faire. On a plein de généreux donateurs. Et parmi ces généreux donateurs, nous allons voir qui est intéressé pour le 100 bébés challenge et qui ne l'est pas. Donc on va dire bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on connaît tout le monde? Normalement, on connaît tout le monde du coup. Poser une question risquée. On va essayer d'avoir des interactions un petit peu avec tout le monde pour essayer de voir qui est intéressé par ce noble projet et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas, du coup, partira du groupe. Parce que tout de même, on ne va pas mettre le couteau sous la gorge à tous les généreux donateurs. Ici, on est plutôt joueur. Ici, on est plutôt heureux. Ici, on est plutôt confiant. Oh, plutôt confiant. Se vanter de la famille. On va voir un petit peu ce que ça donne. Demander si la personne est célibataire. Ça me paraît pas mal. Parler du groupe. Se vanter à propos du bébé pour voir un petit peu comment il gère cette nouvelle. Le seul endroit où j'ai envie d'être. Ah, ça c'est un bon point. Ici on fait flirt, technique de drague ici aussi. Et ici aussi pour voir si tout le monde est ok avec ça. Ah, lui il est pas ok. Lui il est pas ok du tout. On va l'exclure du groupe. S'il est pas ok, on va pas continuer. On va juste l'exclure du groupe. Donc c'est Jérôme. Jérôme, il est pas ok. Donc c'est pas grave, ça arrive. Ce sera pas avec lui. Diego, il a l'air plutôt ok. Donc on va continuer avec Diego. Il est enjôleur en plus. Ça me paraît pas mal avec Diego. Je vous ai tapé sur le micro, j'espère que tout va bien. On n'est clairement pas assez proche pour que je te révèle mon orientation. Je comprends, je suis désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Tu as une très jolie tenue, que j'aime beaucoup. Je peux te draguer si ça te va. Je vois que tu es embarrassée quand même. Comment on pourrait faire? Amical. Demander le style vestimentaire préféré. Il a l'air quand même réceptif, hein. Il est de nouveau heureux, voilà. Oh,
On peut déjà lui demander s'il a envie d'être intime avec nous. Ah, eh bien, on va lui demander. Ah, ne pars pas. Intimité physique. Ah non, on avait... se renseigner sur l'orientation amoureuse. Ah, voilà. Est-ce que tu serais OK, en vrai ? T'as l'air OK pour les enfants, t'es OK avec le concept du groupe, t'es OK pour être... dragueur avec elle, est-ce que tu voudrais être un peu plus? Iva a appris l'orientation de Diego. Je suis encore en pleine découverte, j'essaie de déterminer tout cela. Ça nous va, en vrai. Est-ce que tu voudrais bien être intime avec elle? On n'a pas eu la réponse. Alors, romance, femme et... Oh, intérêt réciproque et il est OK pour faire crac-crac avec elle. Ça me paraît pas mal. Sauf qu'on peut pas encore avoir de nouveaux enfants. Il faudrait qu'il y en ait un qui parte. Oh zut. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Tommy? J'envisage d'approfondir mon amitié avec Angel Bassou. Tu crois que je devrais passer du temps avec elle? Mais bien sûr. Je crois que tu devrais te lancer. Oh, ça veut dire qu'on va avoir une belle fille. Ok, bon, avec Diego, il y a une porte ouverte. Juste, on peut pas avoir de nouveaux enfants. Donc on va se le garder de côté. Alors, au niveau du groupe, il y avait qui encore? On va voir s'ils sont OK avec le concept du groupe et le concept du « Je suis le prochain généreux donateur du 100 bébé challenge ». Il a pas l'air OK, je sais pas trop. Ici, on est un peu flirty, ici pas du tout. Je suis un chef visionnaire, très bien. Demandez si la personne est célibataire. Oh, ça a pas l'air de bien se passer quand même avec lui. On va voir. Si je fais flirter, technique de drague. Et ici, pareil, flirter, technique de drague. Donc, il est célibataire. Ok, ça nous va. Centre d'intérêt. Non, oh, ça a pas l'air d'aller quand même. Hein. Il a pas l'air très... Ouais, ça a pas l'air top. Ici, ça a l'air OK. Alors ici, si on fait flirter, se renseigner... Clément Chevalier, il a pas l'air OK. Alors, puisqu'il a pas l'air OK, c'est pas grave. Hop, on va l'exclure du groupe. Eh, mais il y a Johnny quelque part. On n'a pas vu Johnny. Il est où, Johnny? Oula, ça ne va pas. On va parler d'autre chose. On est embarrassé, se rattraper. Désolé. Ne voulais pas te forcer à révéler ton orientation. Discuter des centres d'intérêt. Oh. Oh, ça m'a l'air très réceptif, ceci. Mentir sur la carrière. Pourquoi? Ben pourquoi? Oui, bon, allons-y. Mentons sur la carrière. Oh non, il s'est déplacé pour se mettre plus proche. Bébou. On va parler à nouveau du groupe pour être sûr qu'il est OK avec ce concept. On va se vanter de sa famille pour voir si les bébés salbotent ou pas. On va poser une question risquée. Échanger nos numéros de téléphone. C'est toujours un groupe dans lequel il a envie d'être, donc c'est bien parti. Oh oh, ils ont l'air embarrassés, non? Ah, je suis pas certaine que ça fonctionne avec lui non plus. Hein. Draguer? Pourtant, non, ah, oh, ou non, non, il est pas réceptif. Ok, bon, bah c'est pas grave. Oh madame, tu es toute nue. C'était qui ça? Ayaka, bon. Ayaka quoi? Nakamura. D'accord. Donc du coup, c'est pas OK pour lui non plus. On va mettre fin à la réunion. Il faudra qu'on teste avec Johnny. Et on va ajouter d'autres sims éventuellement qui pourraient être intéressés. Khaled, ça me a l'air pas mal. Malcolm. Nobuya. Raj. Ça me permet. Je ne sais plus parler. Ça me paraît pas mal. OK. Ça sera pour la prochaine réunion et nous, on va rentrer. Oh, mais attendez, les factures, elles sont de 1152 simflouz, mais on a aussi le loyer à payer. Et c'est quoi ça, ces factures en plus? Oh non. Ah non, ah non, ah non, 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 les factures sont de 80, le loyer de temps. Oh non, tout va bien. Oh, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque, je me suis dit... Ah, mais tout cet argent qui va partir, nous n'avons pas assez pour survivre. Mais non, c'est bon, tout va bien. Et là, c'est bon? C'est OK. Hop, prends
prendre le courrier, il y a quoi dans la boîte aux lettres? Attends. Non, t'y étais, prends le courrier, on ira la voir après. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a faim. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres? C'est dans son inventaire. Il y avait un jouet, et c'était un jouet du coup pour Niri de l'épisode précédent. Donc je le donne à Niri. Cuisiner ensemble avec Niri par exemple, ça me paraît pas mal. On va voir si on peut faire un gâteau d'anniversaire. On peut faire un gâteau d'anniversaire si je fais ça. Gâteau noir et blanc, 25 simflouz. Gâteau au chocolat, 15 simflouz, c'est très bien. Avec les factures qu'on vient de payer, un simple gâteau, ça ira bien. Hein. On va leur faire souffler les bougies un à un. Iva est attendu au travail pour la prochaine journée de travail suivant son congé pour raison familiale. Elle ne peut plus prendre de congé. Hein? Mais elle travaille, elle a un roman en cours d'écriture. Bref, on s'en fiche, je vais mettre les bougies, voilà. Alors, sachez aussi que j'ai créé un Forms Google sur lequel vous pouvez voter pour le prochain prénom, le ou les prochains prénoms des bébés du 100 Baby Challenge. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous pouvez déjà aller voter, même si pour le moment on n'a plus de place dans le foyer. Une fois qu'il y aura un des ados qui va partir, on se mettra en route pour le prochain bébé. Donc vous pouvez voter tout de suite pour les prénoms, comme ça j'aurai déjà des prénoms qui seront prêts pour les prochains bébés du 100 Baby Challenge. Alors, il y en a déjà un des deux qui est descendu. Et toi, tu es en train de mettre le bazar ailleurs, tu vas venir ici. Très bien. Et de 1. Oui. Bien. On va pouvoir remettre des bougies et faire souffler au deuxième. Hop là. Hop. Ah. Ok. Et ici, j'ai toujours pas regardé. Hop. J'ai fermé les yeux. Je prends le premier qui vient. Très bien. Et là, on va aider à souffler les bougies pour Ryan aussi. Pas trop mal. Oh, il va falloir faire leur chambre aussi parce que du coup il y a que des lits pour Bamba. Je pense qu'on mettra un des lits pour Bamba en bas pour Niri, pour Alaïs, et du coup on va leur mettre des lits à eux aussi. Très bien. Ça tu vas pouvoir ranger et hop. Oh, discipline du recyclage. Oh, ça va être. Ah, je tombe encore sur le même. Alors attendez. Je referme les yeux et je... Hop. Ah bon, bah pro des soirées pyjama. Allez. C'est pas grave. Et du coup, on va se laisser là et on leur mettra des lits dans le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo.